gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde, réjouis-toi. On veut, mais au Père, Jésus est vainqueur de toute la terre. À Dieu soit la gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Au venez au Père Jésus, vainqueur de toute la terre, chantant son honneur. De Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur selon sa promesse, Jésus changera, veille en allégresse, quand j'irai bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde, réjouis-toi. On veut, mais au Père, Jésus est vainqueur de toute la terre, chantons son honneur. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi. Demeure la lumière, la lumière vaincra les ombres, à ce que ce sera la gloire pour moi. Oh, papa, ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres, à ce que ce sera. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. J'adorerai comme eux. J'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Moi. Pour moi s'ouvre le ciel. Oh, oh, oh. S'ouvre le ciel. Nous sommes sur le thème destruction des fosses sataniques. On the theme destruction of evil pits. Lorsque Daniel a été jeté dans une fosse au lion, when Daniel was thrown in the lion's den, la première chose que le diable voulait faire dans sa vie, the first thing the devil wanted to do in his life, c'était le pousser à affronter le danger. Was to push him to face the danger. La deuxième chose que le diable voulait faire dans sa vie, the second thing the devil wanted to do in his life, c'était le pousser à affronter la peur. Was to push him to face fear. La troisième chose que le diable voulait faire dans sa vie, the third thing the devil wanted to do in his life, c'était le pousser à affronter des ennemis sans scrupules. Was to push him to face enemies. Des ennemis sans pitié. Enemies without pity. Dans leur jugement, dans leur façon de voir les choses. In your judgment, your manner of seeing things. Lorsqu'on te jette dans une fosse, le lion ne veut pas savoir si tu as tort ou tu as
raison, il te mange. When you are thrown in the lions and the lion just want to eat you. Quand on te jette dans une fosse au lion, when you are thrown in the lion's den, le lion ne veut pas savoir si tu es innocent ou tu es coupable. The lion doesn't want to know if you are innocent or guilty. Il te détruit. He destroys you. Quand on te jette dans une fosse au lion, when you are thrown in the lion's den, le lion ne veut pas savoir si tu es jeune ou si tu es vieux. The lion doesn't want to know if you are young or si old. Si tu es en santé ou tu es handicapé. If you are half of you are Donc quand tu es jeté dans cette fosse, when you are thrown in that den, la finalité c'est que tu meurs. The end is for you to die. D'une mort effroyable. From a violent death. D'une mort douloureuse. From a painful death. Il y a plusieurs personnes dans l'église. Many people in the church. Qui ont ce problème dans leur vie. Have this problem in their life. Parce que des personnes. Because people. Ne les aiment pas. Don't love them. À cause de jalousie. Because of jealousy. À cause des concurrences. Because of concurrence. À cause des animosités. Because of animosity. À cause des comparaisons. Because of comparison. Ils se retrouvent en train d'être jetés dans des fosses aux lions. They are thrown in the lion's den. Le seul problème de Daniel, the only problem of Daniel, c'est que Daniel avait en vue, le roi avait en vue de le nommer, de l'élever. The king wanted to lift him up. Il y a plusieurs élévations qui sont des risques pour vos vies. Many elevations are risks from your life. Il y a des gens, lorsque vous n'êtes rien, vous n'avez rien, vous ne faites rien. When you are nothing, you have nothing, you do nothing. Personne n'a votre temps. Nobody is after you. Mais dès qu'on apprend que votre nom est quelque part, when they learn your name is somewhere, les gens sont prêts à vous détruire, à vous tuer. They are ready to destroy and kill. Daniel, son problème, c'est qu'ils étaient jaloux par rapport à son élévation. They were jealous because of his elevation. Ils étaient jaloux par rapport à sa promotion. They were jealous because of his promotion. Ils étaient jaloux par rapport à la considération que leur patron avait vis-à-vis de Daniel. They were jealous because of the king's consideration towards Daniel. Je commence par te dire quelque chose ce soir. I start telling you something tonight. Si tu travailles ou si tu vas travailler, if you work or you will work, à côté d'un grand ou d'un puissant, beside a great or powerful si man, ce grand t'apprécie trop, if he appreciates you a lot, tu auras les problèmes. You will have problems. Si ce grand reconnaît trop ta valeur, if you recognize your value a lot, si ce grand reconnaît trop ton intégrité, if you acknowledge your integrity a lot, si ce grand reconnaît trop ta loyauté, if you recognize your loyalty a lot, les gens vont faire des coups contre toi. People will plot against you. Il y a des personnes qui croient que la loyauté, la fidélité, la simplicité, l'intégrité n'apporte que de bonnes choses. Some people think all those things bring only good things. Oui, le patron apprécie ta façon de faire. Yes, the boss appreciates your manner of doing. Mais en face, il y a des gens qui vont creuser des fosses contre toi. In front, there are people that will dig pits against you. Écoute-moi bien. Listen to me well. Le boss, the boss pour qui tu travailles, whom you work, est prêt à te nommer. He's ready to appoint you. Mais ceux qui ne sont pas le boss, those who are not the boss peuvent faire des complots, tu te retrouves dans une fosse. And you are thrown in the pit. Donc arrête de croire que si tu es dans les bonnes grâces du boss, ça suffit. If you are the good graces of the boss, is si tu es dans les bonnes grâces de ton mari, ça suffit. The good grace of your husband, si tu es dans les bonnes grâces de ton grand frère, ça suffit. The good grace of your big tu peux être dans les bonnes grâces de ton financier. Can be the good grace of your financier. Mais ceux qui sont autour de lui provoquent des forces sataniques pour te détruire. To destroy you. Non, moi je ne suis pas là pour eux. I'm not here for them. Je suis seulement là pour lui. I'm just here for him. Quand je suis venu en mariage, when I got married, c'était pour mon mari. Was for my husband. Il y a famille et famille. There are various kinds il y a des of families. Familles où some les gens sont sorciers. People are wizards. Pour rien, ils sont sorciers. For nothing, you are wizards. Donc ils vont te faire des choses but they will do things to et you. Tu vas faire des erreurs and you make mistakes. Pour, et tu seras à la fin jeté dans une fosse. Thrown in the pit. Il y a des lieux de service workplace où on ne part pas seulement là-bas pour travailler. Where they don't only go there to work. C'est là-bas qu'on pratique la haute sorcellerie. That's where they practice witchcraft. Les gens vont chez les marabouts à tort et travers. Les gens vont chez les féticheurs. People go to the fetishes. Les gens pratiquent la magie. People practice magic. Donc quand le boss, when the boss te confie des responsabilités, gives you responsibilities. Quand le patron, when the boss te confie des responsabilités, gives you responsibilities. Sache qu'en face, know that in front, les gens vont se lever. People will stand. La Bible dit qu'il y avait 120 gouverneurs. There were hundreds et au-dessus des gouverneurs, il y avait trois chefs des gouverneurs. And above three chiefs of governors. Et Daniel faisait partie des trois chefs. Daniel was part of the three chiefs. Mais quand le roi eut l'intention de les lever au-dessus de tous ces chefs-là, when the king thought about lifting up more, les 122 autres, the 122 dans others, la nuit, se sont assis. At night gathered. Tu sais ce qui m'intéresse? You know what interests me? Ces gars qui ne s'entendaient pas hier, those who disagreed yesterday, se sont unis pour détruire une personne. United to destroy one person. Quand Dieu est sur le point de t'élever, God is about to lift quand you Dieu up, est sur le point de te faire du bien, God is about to do you good, les ennemis the enemies finissent par devenir amis finish to become pour friends, te détruire. Destroy you. Des ennemis enemies finissent par devenir collègues finissent par s'entendre finish to agree, seulement pour te détruire. Mais je veux te dire que pendant ce programme, tous ceux qui se sont alliés pour te détruire vont s'entretuer. Ton amen me dérange. My
Je prie pour toi ce soir. Tous ceux qui se sont mélangés dans la famille, dans la belle famille, dans le quartier, dans le haut travail, pour te détruire, ils vont se manger entre eux. Donne-moi la main de bien. Ceux qui se sont mélangés pour détruire tes enfants, ils vont manger leurs propres enfants. Ceux qui se sont mélangés pour gâter ton travail, c'est eux qui seront licenciés. Donne-moi la main de bien, s'il te plaît. Je prie pour toi ce soir. Ceux qui se sont mélangés pour te tendre des embuscades, pour te piéger, je prie et je déclare, qu'ils tombent dans leur propre piège. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Donne-moi la main de bien, s'il te plaît. Assieds-toi. Les gens qui ne se parlaient pas hier, tu les vois, ils sont amis. Juste parce qu'ils veulent finir avec toi. Just because they want to end up with you. Toi, tu crois que c'est le jeu. You think it's a game. Écoute-moi. Listen. Ces gens avaient tort. Those people were wrong. Mais si Dieu n'avait pas sauvé Daniel, if God had not saved Daniel, Daniel serait quand même mort. Daniel would have died. Ces gens avaient tort. Those people were Mais si Dieu n'avait pas sauvé Daniel, if God had not saved Daniel aurait perdu son poste. Daniel would have Il y a beaucoup de personnes qui me regardent à la télé. Many people are watching on vous TV. Allez perdre vos postes. You will lose your position. Perdre vos privilèges. You will lose your privileges. Alors que vous avez raison. Meanwhile, you are right. La vie est un combat. Life is a battle. Si le patron if the boss t'apprécie, appreciates si le chef if the head t'apprécie appreciates et que les autres others font les complots contre toi, ne dors pas. L'appréciation du boss ne suffit pas. Confiance du boss ne suffit pas. Si le boss t'apprécie, si le boss veut t'élever, si le boss veut te faire du bien, et les gens font des complots contre toi, je lève ma main vers le ciel. Je déclare qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Je dis qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Je dis qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Je dis qu'ils soient frappés au nom de Jésus. Je prie pour toi, Église, dans la suite des temps. Partout où tu iras, si un grand veut te faire du bien et qu'en face tu as des ennemis, je dis qu'ils seront écrasés au nom de Jésus. Je dépose une marque d'élévation sur toi, une marque de distinction sur toi, une marque de grandeur sur toi. Chaque fois qu'on voudra t'élever, celui qui voudra s'opposer sera frappé, sera frappé, sera frappé, sera frappé au nom de Jésus. Assieds-toi, je te parle. Je parle à deux types de personnes. I talk to two kind of people. Ceux qui sont dans cette situation, those who are in this situation et ceux qui le seront. And those who will be. Il y a des gens pendant que je parle, there are people as I'm talking, dans l'heure de service, in their workplace, c'est la guerre. It is war. Juste parce qu'ils ont appris just because they learn qu'il y a quelque chose qui arrive. That something is on the il y a d'autres personnes. There are other people. Tu es même encore étudiant, you are still a student, mais tu vas vivre ça. So you will go through that. C'est-à-dire que ton étoile your star va tellement briller will shine que le patron va t'aimer. That the boss will love ton you. Étoile your star va tellement briller will shine so que le chef va t'aimer. Écoute bien, listen well. Si le boss t'aime, the boss loves you, sa secrétaire, secretary, il y a les secrétaires sorcières, secretary partout où tu vas arriver, you will et go, que la secrétaire de ton patron est sorcière, elle sera anéantie au nom de Jésus. Elle sera paralysée au nom de Jésus. Elle sera renversée au nom de Jésus. Donne-moi la main de bien. Tous ceux qui vont te détester pour rien seront frappés pour rien. Oh, ton amen me dérange. Amen. Tous ceux qui vont vouloir te faire tomber pour rien, like eux ils vont tomber pour rien. Tous ceux qui voudront te tuer pour rien, c'est eux qui mourront pour rien. Tous ceux qui voudront détruire tes enfants pour rien, c'est les enfants qui vont tomber pour rien. Je prie et je déclare, ceux qui se mélangent, ceux qui se mettent ensemble pour te détruire pour rien, je prie et je prophétise, dans leur mélange, ils vont s'entretuer au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Assieds-toi. Il y a des groupes qui se forment, tu ne comprends rien. Some group gather, you don't ce n'est que ton well. Nom. Ce n'est que ton nom. Ce n'est que ton nom. Deux ans après, ce n'est que ton nom. Trois ans après, ce n'est que ton nom. Quatre ans après, et tu dis, ah, je laisse entre les mains de Dieu. S'ils trouvent la faille, ils vont te tuer. Tu iras au ciel et la vie va continuer. Enlève ça entre les mains de Dieu. Donne-moi ça entre mes mains. Et je prophétise ce soir. Ils sont frappés, 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 frappés. Assieds-toi. Je remande les mains de Dieu. Tu parles de quel Dieu? Celui qui te combat, Dieu l'aime. Comme Dieu t'aime, Dieu l'aime. Mais quand tu remandes les mains de Dieu, Dieu va faire quoi? Vous êtes tous ces créatures. D'autres même sont nés de nouveau. Et ils veulent te détruire. Ce sont les bas droits des prophètes. Les gars l'ont pris en langue.
Mais ils veulent te détruire dans ton lieu de service. Parmi ceux qui te détestent, il y en a qui sont nés de nouveau. Tu remets les mains de quel Dieu? Vous servez le même Dieu. Est-ce que tu sais que Pierre combattait Paul? Mais les deux sont au ciel. Pierre n'aimait pas Paul. Parce que Pierre trouvait que c'était injuste. Un type qui a autant fait de mal à l'église que le Seigneur le rachète. Donc Pierre ne croyait même pas trop à la conversion de Paul. Donc Pierre a frustré Paul dans le ministère. Mais Dieu était au ciel sur le trône, ça ne le dérangeait pas. Donc vos combats que vous faites entre vous dans les belles familles, vous le mettez entre les mains de Dieu. Dieu ne gère pas ça. Non, je remets les mains de Dieu, c'est le Seigneur qui va trancher l'affaire ici. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Le Seigneur qui va gérer l'affaire ici. Moi, je ne comprends même pas. C'est seulement mes enfants qu'on attaque. C'est seulement la vie qu'on attaque. Tu mets entre les mains de quel Dieu? Il est sur le trône. Et là-bas, tout va bien. Il est tranquille. Il vit sa belle vie. Tu remets ses mains là. On va te manger. Détruire ta vie. Tu vas mourir. Ta vie va continuer. Si Dieu n'avait pas aidé Daniel, il mourrait innocemment. Il perdait son poste innocemment. Donc malgré le fait qu'il soit innocent, il perd son poste. Malgré le fait qu'il soit innocent, sa femme devient veuve. Malgré le fait qu'il soit innocent, ses enfants deviennent orphelins. Donc il veut te réveiller ce soir. Dans ton innocence, on peut te détruire. Dans ton innocence, on peut te jeter dans une fosse. You can be thrown in a pit. Ah, je n'ai rien fait à personne. I did nothing to people. Je n'ai rien fait à personne. I've done nothing to people. Je n'ai rien fait à personne. I've done nothing to people. Daniel dit qu'il a été trouvé innocent auprès de Dieu. Daniel said he was found innocent to the Je trouve que c'est faux. It is fake, I think. La loi de son pays disait que the law of his land says si that tu n'adores pas le Dieu là, if you don't worship that God, donc il a été coupable face à cette loi. He was guilty face to that law. Donc dans le pays, par rapport à la loi du pays, according to the law, Daniel a été trouvé coupable. Daniel was found guilty. Mais Daniel avait le réseau. But Daniel had connection. C'est-à-dire le chef direct, the direct head, face à lui, face to him, il était coupable. Was guilty. Mais Daniel avait le réseau avec un chef suprême. He had connection with the great Nous king. Sommes sur une terre. We are on si ceux qui t'attaquent those who attack you, et ils sont contre toi, against you, sont au-dessus de toi, above you, cherche le réseau seek the connection par rapport à ceux qui sont au-dessus d'eux. According to those who are above them. Même si le premier juge a tranché contre toi, even if the first judge gave the decision, cherche celui qui est au-dessus de lui. See who's above him. Ne meurs pas avec la bouche. Don't die having the mouth. Dis à ton voisin, ne meurs pas avec la bouche. Tu ne parles pas bien, dis à quelqu'un, ne meurs pas avec la bouche. Tu vois comment tu es en train de finir. You see how you are comment on est en train de t'arracher le terrain. How you are being snatched comment on est en train de détruire ta vie. How you are destroying your life. Comment on est en train de détruire tes enfants. How you are destroying your children. Détruire ta santé. Destroying your health. Tu dis, je remets les mains de Dieu. I surrender the hands of God. Je remets les mains de Dieu. I surrender the hands of God. Daniel. Dieu le sauve. God saved him. Mais ce qui m'intéresse ce soir, puisque je parle des fosses collectives. I talk about common pit tonight. Quand Daniel sort de la fosse, when Daniel is out of the le pit, roi fait et célèbre le Dieu de Daniel. The king celebrated the God of Daniel. Mais ce que je ne comprends pas, what I don't get, c'est que le roi demande, is that the king asked, où sont tous ceux qui ont accusé Daniel? Where are all those who accused Daniel? On les jette tous dans la fosse. We all throw them in the pit. 122 personnes 122 people ont été jugées coupables. Were judged d'accusations mensongères. Of lying accusations. Ils ont été jetés de manière collective dans la fosse. They were thrown in the pit. Maintenant, ce que je ne comprends pas, what I don't get now, c'est que ces 122 chefs, the 122 heads, on les a jetés avec leurs femmes et enfants. Were thrown with their wives and children. À quel moment leurs femmes ont été coupables? When were their wives guilty? À quel moment leurs enfants ont été coupables? When were their children guilty? Il y a des fosses sataniques evil pits dans lesquelles vous vous retrouvez, in which you are found, parce que c'est vos mamans, because your mothers, ce sont vos papas, your fathers, ce sont vos grands frères, your big brothers, qui ont été jugés coupables devant le diable. For the devil. La femme de ce gouverneur a fait quoi au roi? What did the governor's wife did to the king? Daniel chapitre 6. Daniel chapter 6. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion. Eux
leurs enfants et leurs femmes. Eux, leurs enfants. They're their children. Donc voilà 122 familles. There are 122 families qu'on jette dans une fosse. Thrown in a pit. Pour rien. For nothing. Il y a des problèmes que tu as. There are problems you have. Pas parce que tu as péché. Not because you sin. Mais parce que quelqu'un dans la famille avait été condamné à être jeté dans la fosse avec ses enfants. Because somebody in the family was condemned to be thrown in the pit. J'ouvre une parenthèse pour te dire. I open a bracket to tell you. Que Jésus Christ qui est venu sur la terre est venu détruire la malédiction de la loi. Jesus Christ came to destroy the curse of the law on earth. Donc la loi que dont on parle, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. The law you are talking about is what God gave to Moses. Mais il y a des malédictions curses qui ne sont pas détruites par l'action de Jésus. That are not destroyed through Jesus' action. Ces malédictions sont détruites par les prières. But by prayers. Et par la connaissance. And the knowledge. Il y a plusieurs malédictions. There are many curses qui continuent à être en vigueur dans la vie. That are still in force in the life. Des personnes qui sont nées de nouveau. Of those who are born again. Par exemple, for example, les malédictions héréditaires. Hereditary curses. Un papa, a father, qui a sacrifié son âme au diable. Who sacrificed his soul to the devil. Ses enfants nés de nouveau seront attaqués. His children who are born again will be attacked. Une maman, a mother, qui a sacrifié sa vie au diable. Who sacrificed her life to the ses devil. Enfants baptisés dans l'eau seront attaqués. Her children baptized in the water will be attacked. C'est la raison pour laquelle vous verrez. That's why you will see. Des gens nés de nouveau depuis 10, 20, 30, 40 ans. People born again from 30 years. Qui prient sincèrement, fidèlement, loyalement vis-à-vis du Seigneur. Who are faithful to the eyes of the Lord. Leurs vies n'ont pas de sens. And their lives make no sense. Il y a des combats que vous devez mener à vie. There are battles you must make for life. Il y a des combats que vous devez mener à vie. Your battles you must make for life. Voilà 122 familles. There were 122 families qui se retrouvent dans une fosse. In a pit. Une fosse commune. A common pit. Et la Bible dit que the Bible says that avant que leur corps n'ait touché le sol, before their body touched the ground, les lions les ont déchiquetés. The lion tore them up. En écrasant les os. Why crushing the je t'explique. I explain you. Quand vous êtes jeté dans une fosse satanique, when you are thrown in an evil pit, avant d'être mort physiquement, before being dead physically, avant d'être enterré dans le sol de manière physique, before being buried physically, tous les domaines de vos vies seront broyés. All the domain of your life will be crushed. Tous les domaines de vos vies seront détruits. All the domains of your life will be destroyed. La précision dans la Bible n'est pas anodine. Precision in the Bible is important. C'est pour te dire, it's to tell you, quand tu es dans une lignée when you are in the descent, d'une maman qui a été jetée dans une fosse, of a mother who was thrown in a pit, d'un papa qui a été jeté dans une fosse, of a father who was thrown in a pit, laisse-moi te dire, let me tell you, c'est dans cette fosse in that pit, les lions vont vous détruire. Lions will destroy you. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre. No matter the time it will take, tu auras l'impression que ça va aller avec le temps. You feel like things will be well with time. Que les choses vont quand même s'améliorer. That things will be improved. Mais tu remarqueras dans ta marche chrétienne que rien ne donne. That nothing is going well. Rien ne marche. Nothing is working. Rien ne réussit. Nothing is succeeding. Alors que tu pries. Meanwhile you pray. Alors que tu jeûnes. Meanwhile you fast. Mais regarde bien. But look well. Qu'est-ce qu'on a dit sur ta mère? What was said on your mother? Qu'est-ce qu'on a dit sur ton père? What was said on your father? Une soeur est venue me voir à Douala. Mariage, ça ne donne pas. Les gens viennent. People come towards mais personne ne reste. But none of them stay. L'argent, elle touche beaucoup d'argent. She touches much money. Mais elle n'arrive à rien faire avec. She's unable to do elle a investi, elle a ouvert des boutiques et autres. She created shops and many tout other things. Ça finit par tomber. End up collapsing. Je lui ai dit, madame, I said, madam, tu es venu pour le miracle. Came for the miracle. Moi, je ne suis pas un faiseur de miracles. I'm not a miracle maker. Moi, je prêche la délivrance. I preach deliverance. Et j'explique toujours ici always explain here la différence entre le miracle et la délivrance. The difference between miracle and deliverance. Le miracle, miracle reçoit mariage. You see marriage. Trois mois après, three months later, tu te maries. You get married. Le miracle, the miracle reçoit l'argent. Receive money. Tu sors d'ici, you leave this place, on t'appelle au téléphone, call on the phone, voilà 2 millions. 2 million le miracle, the miracle reçoit la santé. Receive health. Tu sors d'ici, you leave this place, le cancer est parti. Cancer disappears. C'est biblique. It's biblical. Et c'est important, and it is important de vivre le miracle. To live a miracle. Mais le miracle, but the miracle n'exclut pas la délivrance. Does not exclude deliverance. Une personne qui reçoit le mariage par miracle ne doit continuer sa délivrance de l'esprit de célibat. A person who receive marriage by deliverance must continue the deliverance of the spirit of une celibacy. Personne qui reçoit son mariage
mariage par miracle. A person received her marriage by miracle. Mais qui est soumis à un hôtel de pauvreté. But submitted to an altar of poverty. Va se marier. Will get married. Mais va subir la misère dans le foyer. But will suffer from misery in the home. Beaucoup de chrétiens veulent deux choses parce que c'est rapide. Many people want to find rapid. Le miracle, the miracle et la prophétie. And prophecies. C'est vite fait. It is le miracle et la prophétie. Mon père, tu vois quoi? Mon père, tu vois quoi? Mon père, Dieu dit quoi? Parmi say? Les deux qui sont là, il y a qui est le bon? Parmi les quatre qui sont là, qui est le meilleur? Parmi four? Les propositions là, il y a quoi qui est bien? What is good? Tu peux choisir par prophétie la bonne proposition. You can choose a good proposal by prophecy. Mais l'hôtel de sécheresse détruit la bonne proposition. But the altar of dryness is not a good proposal. C'est la raison pour laquelle vous avez l'impression que les prophètes mentent. That's why you feel like prophets lie. Ce que le prophète t'a dit est vrai. What the prophet has told you is que true. Ce gars est bien pour toi. That is a good person. Mais l'hôtel de souffrance But the altar of suffering est venu changer le cœur du gars. Has changed his heart. Et le gars commence à te maltraiter. And his heart is treating you. Si tu n'es pas délivré, if you are not delivered, tu es mal parti. You are a bad girl. Ne pense pas que toutes les personnes Don't think all the people de ta famille of your family qui souffrent là, who suffer, c'est parce qu'elles ont péché. Because of sin. Vous êtes issu d'une lignée you are coming from a descendant de condamnés. Of those who are condemned. On a condamné le père. The father was condemned. La femme est entrée dans la fosse. Les enfants sont entrés dans la fosse. C'est Achan qui avait péché, mais toute sa famille, même les chiens ont été brûlés. Achan has sinned, but his whole family ont été lapidés. Stole. Il y a les condamnations que vous subissez. There are some condemnation you are suffering for. À cause des membres de vos familles. Because of your family members. Écoute-moi. Listen. Joseph est jeté dans la citerne, dans la fosse par ses frères. Joseph is thrown in the hole by his brothers. Et ses frères and his brothers le jettent dans la fosse. Throw him in the pit. Et après, on le sort de la fosse pour le vendre. After he's removed to be sold. Mais ces gars ont déjà la malédiction de la fosse sur eux. They already have the curse of the pit upon them. Parce qu'ils ont jeté leurs frères dans la fosse. Because they threw their brother in the pit. Et cette malédiction est restée rattachée à leur vie. And that curse remained linked Les to their dizaines life. Et vingtaines d'années sont passées. 20 years passed. Et un jour, il y a la famine en Israël. One day there is hunger in Israel. Et les frères de Joseph quittent l'Israël pour venir manger en Égypte. Joseph's brother left Israel to eat in Egypt. Et pendant qu'ils mangent en Égypte, ils réalisent qu'il faut qu'ils amènent leur père. While they are eating, they realize they must bring their father. La Bible dit que Jacob, the Bible says Jacob est descendu en Égypte. Went to Egypt. Dis à ton voisin, descendu. Descendu. On ne monte pas dans la fosse, on descend dans la fosse. Donc Jacob lui pensait seulement manger. Jacob just thought about food. Mais il descendait dans une fosse avec toute sa famille. But he was going down in the pit with his whole family. Et ce que Jacob ne savait pas, what Jacob didn't know, c'est que pesait sur sa famille was weighing upon la malédiction de la fosse. The curse of the pit. Parce que ses fils Because his son avaient jeté un innocent dans une fosse. An innocent in the pit. Et les pratiques Practice. Que des gens font dans vos familles, that people do your family. Vous payez le prix de ça. Pay the price. Je vous ai dit, I told you. Et quand vous êtes issu d'une famille où une seule personne est sataniste, When you are coming from a family where just one person vous allez combattre toute votre vie. You will fight for life. Parce que le sang innocent qu'il a versé Because the innocent blood va crier contre toute votre famille. Will cry against your whole family. Jacob est descendu en Égypte. Jacob descended in Egypt. Il ne savait pas qu'il descendait dans une fosse. He didn't know he was going down. Il a mangé. Ate. Mais il ne savait pas qu'il mangeait étant dans la fosse. He didn't know he was eating beneath Quelque the temps après, Sometimes later, Jacob est mort. Jacob died. Ses enfants sont restés. His children Et le prochain pharaon qui est venu, And the next Pharaoh, esclavage. Slavery. 430 années dans la fosse. 430 years in the pit. Parce qu'ils ont une malédiction issu de l'action de ses enfants. Ce que tu vis malgré tes prières peut être la résultante, la conséquence d'une malédiction liée à un de tes parents. Quand il dit un parent, ça peut être ton oncle. Le type là, pour réussir dans ses affaires, a mangé les gens, a détruit les gens, a gâté les vies des gens. Et aujourd'hui, toutes les personnes qu'il a jetées dans la fosse pour prospérer, leur sang crie contre vous. Vous êtes obligé de descendre dans la même fosse. Ils ont jeté Joseph dans la fosse. C'est de la fosse qu'on envoie en Égypte. Ils ont fini tous aussi esclaves en Égypte. Joseph a été esclave de Potiphar. Joseph was a slave of Potiphar. Joseph a fait la prison. Joseph was in prison. À cause de ses frères. Because of his brothers. Tous les descendants de ses frères ont fait pareil. All the descendants of his brother did the same thing.
Les fosses collectives sont créées à partir de l'action d'un seul ascendant. Un parent pose un acte. Tous les enfants sont condamnés. Tous les descendants sont condamnés. Quand tu peux manger l'argent de quelqu'un qui a jeté les gens dans la fosse, toi qui manges cet argent, tu seras condamné. Tu vois seulement qui t'a payé le téléphone. Tu vois seulement qui t'a offert la voiture. Tu vois seulement qui t'a offert le terrain. Mais cet argent, c'est le résultat des pratiques faites contre les âmes, détruites dans la fosse. Donc toi qui as mangé l'argent là, si tu n'es pas délivré, tu finiras toi et tes enfants dans la fosse. Ne regarde pas seulement l'argent qu'on te donne. Mais il a pris l'argent là où? Ne regarde pas seulement les opportunités que tu as. Not only look at the opportunities. Mais celui qui t'offre les opportunités, elle a pris le pouvoir, la gloire, là où? Where did he take that power and glory? S'il a détruit les âmes, if he destroyed en les jetant dans la fosse, throwing them in the toi et tes enfants, you and your children, vous allez finir pareil. You end up the same way. Si c'est l'argent du sang des innocents, if the money of the blood of innocents, si c'est l'argent du sang des innocents, if it is the money of the blood of innocents, tu dois beaucoup prier. You must pray so much. Écoutez. Listen. Pour connaître to know ce à quoi nous sommes attachés, what we are tied up to, il faut laisser le temps. The oh, grosse time, voiture, big cars, grosse maison, big houses, beaucoup de voyages, car, c'est une affaire de temps. It's all about time. Vous savez, le temps qu'on saura with time, with si la racine était bonne ou mauvaise. If the root was good or le evil, temps ne manque jamais. Time never lies. Le temps ne triche jamais. Time never cheats. Vous allez voir beaucoup de milliardaires. We see several billionaires. À leur mort, during c'est la death, catastrophe. It's catastrophic. Cette jeune soeur me dit, the young girl told me, je touche l'argent, I touch money, mais je ne fais rien. But I did et je lui ai dit, madame, and I told her, madame, la délivrance deliverance voudrait que like on rentre dans ta famille. Renter your family. Elle me dit, c'est tout ce que je sais. All what I know, c'est que sur la dernière d'une famille de 17 enfants, mon père était polygame. I'm the last of a family of 17. Et on a l'habitude de dire à ma mère, you used to say to my mother, que la première femme, the first wife, a amené nos noms quelque part. Brought our name somewhere. Donc la première femme, the first wife, a amené les noms des enfants de la deuxième femme dans une fosse. Brought the names of the children of the second wife in the pit. Voilà la guerre alors. And that's war. Il faut combattre. We have to fight. Elle voulait seulement que je parle. She just wanted me to speak. Elle se marie. And she get married. Je parle. I speak, ses affaires marchent. Au lieu d'aller à la sortie de la fosse. Instead of removing her from the si tes affaires marchent étant dans la fosse, ça va encore se gâter. If your business is work being in the pit, it will get si tu te maries étant dans la fosse, tu vas souffrir. If you get married being in the pit, you will il y a suffer. Les gens qui souhaitent marier de nom, mais ça ne donne pas. Some people here, you are married, but it's not vous going avez well. Le travail de nom, mais ça ne donne pas. You have job, but it's not going well. On vous voit rire là, on vous voit briller là, mais ça ne donne pas. You see shining, but things are not going well. Je vous ai dit ici, I told you here, la vraie bénédiction, the real blessing, celle de l'Éternel, one of the Lord, ne se fait suivre d'aucun chagrin. By no sorrow. Donc si tu t'es marié, if you got married, tu as eu le travail, you job, tu as eu quelque chose par Dieu, by God, ça va te faire rire. It must make you laugh. Si le mariage là ne te fait pas rire, c'est pas bon. If marriage doesn't make your life, it's not si good. Le travail là te fait souffrir, c'est pas bon. If that job makes you suffer, it's not good. Si la voiture là te fait souffrir, c'est pas bon. If that makes you suffer, it's not good. Tout ce que tu obtiens étant dans la fosse va sécher dans la fosse. All what you obtain being in the pit will dry in the pit. Tout ce que tu obtiens dans la fosse sera détruit étant dans la fosse. All what you obtain in the pit will be destroyed being in the pit. Gédéon dit à Dieu, on ne comprend pas, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait, mais quand on récolte, ils viennent arracher. Gideon told God, when we harvest, they come to snatch. Dieu lui dit, vous n'allez pas les combattre, combattre ceux qui arrachent. We will not fight those who snatch. Vous allez combattre ce qui vous rend impuissant pour qu'on vous arrache. Fight what makes you powerless. Et ce qui vous rend impuissant, c'est dans la famille. What makes you powerless? Is in the family. Donc je ne viendrai pas I won't come ce soir tonight, juste parler des propriétaires de fosses just to talk about the honor of mais feet. Je te parle I talk de ce qui a occasionné about what has ce caused, qui a provoqué what has provoked, votre descente dans une fosse your descent in the pit. Qu'est-ce qui a été fait what was done par un ancêtre by an ancestor, par un parent, by a parent par un frère by a brother, par une soeur by a sister, pour que toute la famille for the whole family se retrouve dans la fosse to be in the pit. Est-ce que tu sais que Jésus do you know that Jesus a prêché, he preached, a fait les miracles, made miracles, a guéri les gens, he healed people, a impacté sa génération, impacted his generation, mais à la fin, at the end, on l'a mis dans une fosse. He was thrown in a pit. À la fin,
On l'a mis dans une fosse. He was thrown in a pit. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'avant me, qu'on le mette Jésus dans la fosse, before Jesus was thrown in a pit, dans le caveau, in the cave, in the Joseph cave, d'Arimathée a demandé son corps. Joseph asked for his corpse. Il a dit, and he said, il a dit, he said, est-ce que vous pouvez me permettre de prendre ce corps? Can you allow me to take this corpse? Et quand il a pris son corps, when he took his corpse, il a embaumé son corps avec la myrrhe et l'aloès. He wrapped his corpse with myrrh and aloes. Tu vas évoluer. Vol. On va te faire du bien. You'll be done good. On va t'aider. You'll be helped. Mais avant que celui qui t'aide before he will help n'ait l'intention you, had intention de te jeter dans une fosse, to throw you in a pit, on doit préparer ton corps. You must prepare your body. Pour que si tu entres dans la fosse là, que ton corps ne reste pas et que ça ressorte. Joseph d'Arimathée n'a pas laissé que le corps de Moïse, de Jésus entre dans la fosse sans préparer le corps de Jésus. He didn't allow the corpse of Jesus to enter the pit without preparing his corpse. Je suis en train de conclure pour te dire qu'en fait, I'm concluding to tell you that tu ne peux pas empêcher un sataniste de vouloir te vendre. You cannot hinder a satanist to sell you. C'est un oncle. Il te dit, ma fille, j'ai envie de te faire partir aux États-Unis. I want to make you travel to USA. Qui va refuser? Who refuse? Qui va refuser? Demande à ton voisin, tu peux refuser ça? Can you refuse that? Mais celui qui veut te faire partir aux États-Unis veut te mettre dans la fosse. He wants you to travel to USA. C'est un projet inique. C'est un méchant projet. It's a wicked project. C'est-à-dire qu'en faisant semblant de t'aider, while pretending to help c'est you, pour que devant, so that tu meurs. After you die. On t'offre la voiture offer you the car. Parce qu'on sait que dans la voiture là tu as fait l'accident. Because in that car you have an accident. C'est la voiture là qui va te tuer. That car will kill you. Ils savent. They know. On te donne l'argent pour ton business. They are giving money for your business. Mais on sait que le business va t'amener en prison. They know that business will bring you donc prison. C'est un argent gâté. That money is spoiled. Joseph d'Arimathée a eu la révélation. Joseph had revelation. Vous l'avez tué, non? You killed him. Vous voulez qu'il en a la fosse, non? You want him to enter. Mais permettez-moi but allow me de le oint to anoint him avec la myrrhe with the myrrh et l'aloès. And aloes. À cause de ces aromates, because of the spices, si son corps entre dans la fosse, if his corpse enter in the ça va rester un jour, deux jours, two days, mais au troisième jour, but the third day, même la fosse ne va plus pouvoir the cave will not le contenir, le gérer. La fosse va le vomir. Je suis venu te dire ce soir, ce Jésus est en toi, quelle qu'en soit la fosse dans laquelle on t'a mis, tu sors ce soir. Oh. Je dis tu sors ce soir. Je dis tu sors ce soir. Je dis tu sors ce soir. Toute fosse satanique où on a mis toi et tes enfants, ta mère et tes frères, ton père et tes frères. Je dis vous sortez ce soir. Ton amen me dérange. Je dis vous sortez ce soir. 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 Au nom de Jésus. Assieds-toi. J'ai expliqué à Douala, I explained in Douala quand jette Daniel dans la fosse au lion. When Daniel is thrown in the lion's den, les l'ange est venu fermer leur bouche. He had to close their mouth. Quand Daniel, when Daniel est entré dans la fosse. Entered in the den. Mais avant que l'ange ne ferme la bouche des lions, before the angel to close the mouth of the lion, pourquoi les lions là n'ont pas mangé? Why did the lion not eat him? C'est parce que Daniel était issu de la tribu de Judas. Because Daniel was from the tribe of Judah. Et Judas était un lion. And Judah was a lion. D'après la prophétie de Moïse. According to Moses' prophecy. Donc en réalité, la nature de Daniel, Daniel's nature, physiquement, c'est un petit jeune, was a little un garçon, a boy, mais spirituellement, spiritually, Daniel était un lion. Je suis en train de te dire, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Aucune force ne va te retenir. Aucun lion ne va te détruire. Je prie et je prophétise. Quel qu'en soit ce qu'ils ont dit, tu sortiras de là. Quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, tu sortiras de là. Quel qu'en soit ce qu'ils ont programmé, tu sortiras de là. Donne-moi la main de bien haut. Assieds-toi. Ton problème, c'est que tu n'es pas préparé avant le combat. C'est quand vous êtes attaqué, vous venez, papa du bois, j'ai mal rêvé, il fallait faire ça avant. You should have done it before.
Avant de faire les affaires, il faut que tu te prépares. Before doing business, I have to prepare. Avant d'aller en mariage, je dois te préparer. Before getting married, I have to prepare you. Avant de voyager, je dois te préparer. Before traveling, I must prepare. Avant de you. Travailler pour un sataniste, je dois te préparer. Before working for a satanist, n'attendez pas you. Être fléché. Don't wait to be arrow. Pour qu'on réagisse. For us to react. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas le mystère de l'action. Many children of God don't know. Mais ils sont toujours action. Dans la réaction. But they are still in reaction. Tu dois agir. Must act. La meilleure défense. The best defense. La meilleure défense. La meilleure défense. C'est quand la belle-mère va te provoquer que tu vas penser à papa Dubois. When the mother-in-law will provoke you, think avant about que papa la belle-mère ne te provoque. Before the mother-in-law provokes you, on te prépare d'abord. Prepare you first. Le jour qu'elle veut te croquer, the day she wants ses dents to, se cassent. Her teeth broke. Donc la petite fille si était comme ça. Dit que ouais, c'est comme ça. Faut pas confondre ma timidité, mon calme à la faiblesse. Je peux être silencieuse, mais si tu m'essayes, tu meurs. Amen. Je dois t'équiper, mon ami. I must equip you, my friend. Il te faut l'onction. You need anointing. Il te faut la puissance. You need the power. Sur ton corps. On your body. Dans ton âme. In your soul. Dans ton esprit. Your spirit. Là où tu iras. Where you will go. Présidence. President. Primature. Prime minister. Ministère des finances. Ministry of finance. Dans les affaires. Business. Quand tu entres là-bas. When you enter quelqu'un there, veut t'envoûter. Somebody wants to be sa main se casse. His hands break. Quelqu'un veut te saluer somebody avec les fétiches. Tout ce qu'il a comme grâce, tu arraches. Ce qu'il a comme malheur, ça s'applique sur lui. Jean chapitre 19, à partir du verset 38, il est écrit. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demandait à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, va aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit dans le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume. Avant d'aller là où tu vas aller là, before going where you want to go, tu as mis quoi sur toi? What did you put on yourself? Tous les hommes d'affaires, all the businessmen, tous les grands, all those who are great, ont leur parfum, have their perfume, ont leurs huiles, they have their oil, ont leurs choses qui mettent d'abord sur eux avant de faire quoi que ce soit. They first put things on them before doing vous anything. Voulez faire le dehors avec les gens qui pratiquent. You want to be in the world with those who practice. Et vous dites alléluia, amen. And you just say alléluia, amen. C'est bien. Tu veux faire le showbiz. You want to be in showbiz. Avec les gens qui pratiquent. With those who make practice. On va te détruire. You'll be destroyed. L'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. The careful man sees even from far, he hides himself. Les simples avancent, ils se perdent. Simple move forward, I get lost. Se cacher ne veut pas dire que tu ne sors pas. Hein. Hiding yourself doesn't mean that se cacher ne veut pas dire que tu ne fais pas les affaires. Don't do businesses. Se cacher veut dire que tu entres dans quelque chose avant de sortir. It means you enter somewhere before going out. Quelle est l'enveloppe qui te couvre? Which envelope covers you? Est-ce que vous savez que les sorciers, do you know that wizards, parfois utilisent vos corps comme enveloppe? At times you use your body as envelopes. Il entre dans ton corps, il pense au truc avec ton corps. He enters in your body, goes to which quand your body. Le flèche, ça te prend. When his arrow, you are touched. Toi, quand on te regarde, on voit une étoile, on voit une fille qui a la grâce, on voit une fille qui est belle, on voit un gars qui a le potentiel, mais tu n'es pas couvert. You are not covered. Daniel. Daniel, ce qu'il a sauvé dans la fosse, what saved him avant the que l'ange n'intervienne, before the angel intervened, c'était sa nature. Well, it's his nature. Il avait la nature du lion. He had the lion's nature. Toi, ta nature, your nature, ne te permet pas, does not permit de résister, to resist, face à certaines pressions. Face to some pressure. Avant que l'ange n'arrive, before the angel comes, tu seras à mort. You already be tout dead. Ce que l'ange fera, all what the angel will prendre do, ton corps pour qu'on ait enterré. Take your corpse to be buried. Si tu as le gros cœur pour les grandes choses, if you have big hearts, have great things, ce n'est pas un péché. It is not a c'est comme ça que tu es né. That's how you were born. Mais il faut d'abord qu'on te prépare. But you must first be prepared. Il y a des gens qui sont nés pour avec les, ils aiment les grandes choses. Some people like great things. Tu as une petite fille comme ça, j'ai dit que moi j'aime seulement les grosses voitures. I just like big cars. Moi, on ne te condamne pas. We don't condemn c'est ton cœur qui est comme ça. That's how your head mais is. Les grosses voitures là, big cars, on peut te tuer avec. You can be killed with those cars. Je n'aime pas les gars de mon âge. I don't like guys on my tu regardes l'enfant qui te dit ça, tu dis que, hey, qui est?
Tu as quel âge, ma fille? 21 ans. How old are toi, tu aimes le ah, même les papas, moi, je prends. Aïe, 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 aïe. Moi, je ne peux pas te condamner. C'est ton cœur qui est gros. Have a big heart. Tu as le gros cœur. Have a big heart. Quand je parle là, ce n'est pas de toi que je parle, c'est ta voisine, hein? Elle a le gros cœur. Elle n'a peur de rien. She's afraid of nothing. Mais est-ce que tu es couvert? But are you covered? Est-ce que tu es couvert, monsieur? Are you covered, sir? Tu vas marcher de 3 milliards, tu peux prendre. You see a contract of 3 billion. Tu es prêt? Are you ready? On vous a dit que c'est comme ça que ça se passe. You think that's how it happens? L'argent, c'est un esprit. Money is a spirit. C'est un esprit qui pèse. It's a heavy spirit. Si tu n'es pas couvert, if you are not covered, ça te tue. Kills you. Il y a des postes. Il y a positions. Il y a les élévations. Il y a élévations. Difficiles. That are difficult. On te dit, viens t'asseoir. Now to come and sit down. Vous pensez que même les gens qu'on nomme souvent, pourquoi avant d'aller dans le bureau, ils appellent d'abord les prêtres et les pasteurs venir sanctifier? Ça pèse. It's heavy. Mais toi, but you, tu t'en fous. You don't care. Tu récites deux ou trois versets bibliques avec la peur dans le ventre. Et celui qui a envoyé le monde, et dans mon verset, je ne manquerai de rien. Celui qui demeure sur l'abus du Très-Haut repose alors le Dieu puissant. Quand tu as fini de dire ça, va entrer au bureau, l'on voit. Ce n'est pas la récitation. It is not recitation. On t'a préparé. Were you prepared? Il y a trop de choses que vous pouvez obtenir. There are so many things you can obtain. Mais vous êtes vide. But you are empty. Vous n'êtes pas prêt. You are not ready. Vous n'avez pas le feu. You don't have a fire. Vous n'avez pas l'onction. You don't have anointing. C'est pour ça que c'est obligé de basculer vers ceux qui pratiquent vraiment. It's obliged to turn towards those who practice. Et ils font la magie. They do magic. Ils font des incantations. They make incantations. Ils décident des formules magiques. There is a magic formula. Ils invoquent des démons. They invoke demons. Ça les couvre. Covers them. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Now they can do what they want. Footballeur. Football player. On vous a dit qu'à un certain niveau, we're told that c'est le talent qui joue. It is talent that plays. Vous rêvez, vous avez rêvé jusqu'à quel âge? Until when will you dream? Vous avez rêvé jusqu'à quel âge? Until when will you dream? Homme d'affaires. Businessman. Commerçant. Réveillez-vous. Pray the wake up. Les fonctionnaires, vous n'avez pas de problème. D'ailleurs, vous avez 120 000 de salaire. Donc ça, là, vous n'avez pas besoin de prier pour ça. Pour avoir 100 000 de salaire, tu as besoin de prier. Tu travailles, tu ne travailles pas, tu auras le salaire là. Ah. C'est pas vous que je m'adresse. I'm not talking to je parle aux gens qui ont le gros cœur. I talk to those who have big hands. Quand tu as 1 milliard, tu ne trembles pas. C'est ton niveau là-bas. Mais pour ça, for that, on va te préparer. You must be prepared. Et quand tu proposes 5 millions qui peut te faroter, tu dis que c'est petit. C'est ton cœur qui est comme ça. Il y a des filles comme ça ici. Hein. Si on donne 5 millions, elle dit, ah bon, c'est pour moi. Ok, d'accord, merci. Elle ne parie même pas. Alors que nous, quand on nous a payé premier, ça fait 200 000. Tu ris d'abord 30 minutes, tu ne comprends pas. Tu ris d'abord. Tu dis, Seigneur, il est sur le trône et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. 200 000. Elle essaie, si tu donnes 5 000, elle dit, ok, merci. Un merci désintéressé, un genre là. Merci, ok, merci. Elle a tué une poche là où tout va entrer. Tu peux avoir ce cœur. You can have that heart. Mais tu n'es pas couvert. But you are not covered. C'est la mort, hein. It is death. C'est la mort, je vous dis. It is there. Quand vous entendez qu'on dit qu'il y a des choses que si tu construis, tu meurs. Dans le village, on ne construit pas. On ne construit pas dans ce village. The people don't build tu viens construire, village. Tu n'entres pas. If you build it, don't enter. C'est ton corps qui va entrer. Just your corpse. Mais toi-même, tu n'entres pas. But you don't enter. Et c'est ce qui arrive. And that's what happens. Et toi, tu es en tête. And you are stubborn. Tu ne te prépares pas. You don't prepare yourself. Tu ne peux pas faire. You do. Il y a des familles qui sont dans les fosses. Some families are in pit. Et la fosse a limité la famille à un niveau. And the pit has limited the family. Mais toi, tu dis non, au nom de Jésus, je vais faire. No, in the name of Jesus, I will do. Ton père sera dépassé.
Ton grand-père, ça a dépassé. Ta mère, ça a dépassé. Ça a dépassé tout le monde. Toi, tu pars faire en tant que qui? On t'a préparé. On t'a équipé. On t'a oué. On t'a embaumé. Joseph d'Arimathée n'est pas apôtre. Joseph is not apostle. Joseph d'Arimathée n'est pas diacre. He's not a deacon. Mais Dieu lui dit, petit. God told him, guy. Le corps de mon fils là. Comes from my son. Va mettre l'Aloès. Poor Aloès. Va mettre la mie. And the mare. Avant qu'on le mette dans la fosse. Before be thrown in the cave. Je finis en te disant ceci. I conclude with this. Tu seras attaqué. You'll be attacked. Tu seras combattu. You'll be fought. Mais avant, but before, on doit te préparer. You must be prepared. Mettez-moi à prier. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, aïe, gloire, gloire, oh, gloire à l'agneau. On reprend. Chantons gloire, gloire, disons gloire, gloire, encore gloire, gloire à l'agneau, oh, yeah, yeah. Gloire à l'agneau, oh, car il est glorieux et digne. L'agneau de Dieu, le roi des rois, le tout-puissant, nous élevons, nous élevons. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, Jésus. Oh, car il est glorieux et digne. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es 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 Dieu. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Où est mon corps? Où est mon corps? Où est mon âme? Où est mon âme? Où est mon esprit? Où est mon esprit? Afin que je sorte de la fosse. Afin que je sorte de la fosse. Que mes affaires sortent de la fosse. Que mes affaires sortent de la fosse. Que mon étoile sorte de la fosse. Que mon étoile sorte de la fosse. Pendant que je prie. Pendant que je prie. 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 Yes. Dis à Dieu de te oindre ce soir. Dis à Dieu de te oindre ce soir. Pour que ton âme sorte de la fosse. Pour que ton esprit sorte de la fosse. Pour que ton corps sorte de la fosse. Que tes affaires sortent de la fosse ce soir. Dis à Dieu, oh Dieu, ouvre-moi ce soir. Ouvre-moi ce soir. Pour que je sorte avec mon corps, mon âme, mon esprit. Oh Dieu, ouvre-moi ce soir. Ouvre-moi ce soir. Dis à Dieu de te oindre. Afin de sortir ce soir. Avec tes affaires, avec ton étoile, ta destinée, ta gloire, ton mariage, ton mariage. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier ce soir. Dis à Dieu de te oindre pour sortir de la fosse. Dis à Dieu de te oindre pour sortir de la fosse. Que ton âme sorte de la fosse. Que ton esprit sorte de la fosse. Pendant que tu pries, pendant que tu pries, pendant que tu pries. Ton étoile qui est dans la fosse sort ce soir. Ton étoile sort ce soir.
ton étoile sort. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de que Jésus. Que toute fausse satanique. Que toute fausse satanique. Dans laquelle ma famille. Dans laquelle ma famille. A été enfermée. A été enfermée. Mes frères. Mes frères. Mes soeurs. Mes soeurs. Mes enfants. Mes enfants. Petits enfants. Petits enfants. Arrière petits enfants. Je déclare. Au nom de Jésus. Nous sortons. Pendant que je pleure. Pendant que je pleure. Nous sortons. Nous sortons. De la fosse. Yes. Mes petits fils. Nous sortons ce soir. Déclare, 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 déclare. Nous sortons ce soir. Nous sortons ce soir. Toute fosse satanique. On enferme ma famille. Nous sortons ce soir. Sors de la fosse. Yes. Avec tes enfants et tes frères. Tu sors. Yes. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Toute fosse satanique. On a enfermé vos enfants. On a enfermé tes petits enfants. Déclare ce soir. Nous sortons ce soir. Yes. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Tu sors ce soir. Ta famille sort ce soir de la fosse. Tes enfants sortent ce soir. Tes petits au enfants. Nom de Jésus, amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Mes finances. Mes finances. Mes affaires. Mes affaires. Mon ministère. Mon ministère. Mes relations. Mes relations. Mes connexions. Mes connexions. Mes entreprises. Mes entreprises. Mes projets. Mes projets. Mes réalisations. Mes réalisations. Sortent de la fosse. Sortent de la fosse. Pendant que je prie. En claquant les en mains. En claquant les mains. Yes. Déclare, déclare, déclare. Mes affaires sortent ce soir. Déclare que mes affaires sortent ce soir. Mes projets sortent ce soir. Mes relations sortent ce soir. Pendant que je prie, pendant que je prie, pendant que je prie, en claquant les mains, en claquant les mains, mes affaires sortent, mes projets, déclare les paroles. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains. Père, je prie pour l'église. Yes. Tu as oint le corps de Jésus avec la loesse et la mire. Et la fosse ne l'a pas retenu. Je prie, Seigneur, yes. Que pendant ce programme, yes. Que personne ne soit retenu par une fosse. Amen. Que ton onction de délivrance agisse dans chacune de nos familles. Amen. Je parle, Seigneur, avec l'autorité que tu m'as donnée. Yes. Et je sors les âmes des fosses. Amen. Je sors les mariages des fosses. Amen. Je sors le travail des fosses. Amen. Je sors les financements, les contrats des fosses. Amen. Je sors les promotions des fosses. Amen. Je sors les étoiles des fosses. Amen. Je dis je sors les étoiles des fosses. Amen. 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 Par l'autorité de Dieu. Yes. Je parle à ton étoile. Yes. Ton étoile sort de cette fosse. Amen. L'étoile de tes frères sort. Amen. L'étoile de tes soeurs sort. Amen. L'étoile de cette église sort. Amen. L'étoile des anciens, ça sort. Amen. L'étoile des pasteurs, ça sort. Amen. Quel que soit ce qui a été fait, hey. Ton étoile sort de la fosse. Amen. Ton étoile sort de la fosse. Amen. Brille. Yes. Brille. Amen. Brille. Amen. Brille. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'onction de Dieu agisse dans ta vie. Amen. La maison familiale où on vous a enfermé là, mm. qui est une fosse pour vous, hey. Je vous sors de cette maison. Amen. Vous avez interdiction d'aller en mariage. Hey. Vous retrouverez toujours dans cette maison. My God. On vous a entassé dans la maison familiale. Hey. Je maudis cette maison. Amen. Je détruis cette maison. Amen. Je te chasse de cette maison. Amen. Je te chasse de cette maison. Amen. Je te chasse. Amen. La corde qu'on a mise sur ton pied, hey. La fronde qu'on a mise sur ton pied, hey. La chaîne qu'on a mise sur ton pied, hey. En te disant pas et reviens, pas et reviens, hey. Je coupe ça, hey, je coupe ça, hey, je coupe ça, hey, je coupe. Amen. L'homme qui t'a mis dans la fosse, je te sors de cette fosse. Amen. Je te sors de cette fosse. Amen. Je te sors de cette fosse. Amen. Toi qui es dans le ventre d'un serpent. Mm. Toi qui es dans le ventre d'un serpent. Hey. Je te sors maintenant. Je te sors maintenant. Amen. Je te sors maintenant. Je parle à quatre personnes. L'onction de Dieu te sort de ce ventre. Cette personne va tomber. Elle tombe. Cette personne qui t'a mis dans le serpent là va tomber. Elle tombe. Je te sors de ce ventre. Tu sors. Je te sors de ce ventre. Tu sors. Je te sors de ce ventre. Tu sors. Je te sors. Tu sors. Que le Seigneur te délivre. Amen. Que l'onction de Dieu te délivre. Amen.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi.